La nuit était courte, je jouais la veille en plus au théâtre à Paris et après impossible de s'endormir quand on tourne le lendemain, on a un train à 6h30 et qu'on est surexcité à l'idée de tourner. Voilà, ça fait une nuit de 2-3 heures, mais ça va quand même. Moi je suis Sidonie et Sidonie a plus d'un amant, comme dans la chanson. C'est un joli personnage de fille. D'ailleurs, il y a beaucoup de beaux personnages dans ce film. C'est une des bonnes raisons pour lesquelles j'ai tout de suite eu très envie de faire partie de ce casting avec du beau monde. Voilà, on a Jean-Claude Dreyfus aujourd'hui, Jean-Marie Bigard, Isabelle de Hertog, Florence Massin et plein d'autres. Oh là là, c'est que du bonheur. C'est pas un scénario qu'on lit tous les jours, mais en même temps, quand je l'ai lu, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et je me suis dit, ah, mais c'est fou, c'est un peu une fable. Ça me faisait penser aussi un peu au Houellebecq dans la projection un peu futuriste mais proche avec une Marine Le Pen au pouvoir. Et puis, j'aime beaucoup les films chorales, donc voilà, tous ces personnages qui se retrouvent, qui se croisent, ça, c'est tout ce que j'aime. Je savais que ça ferait une belle affiche, donc ça, ouais, c'est toujours bien de se retrouver avec plein de... Moi, je supporterais pas de faire un one-man show, donc. Voilà, me retrouver avec plein de personnages, c'est génial.